Désiré Nzouzi, producteur associé du JT diplomatique. Et comme le veut la tradition, nous nous réunissons une fois dans le mois, ici à Kinshasa, dans un endroit de qualité, un endroit exclusif. Et ce soir, eh bien, nous sommes au Malamo Bar Lounge Experience, un endroit extraordinaire. Ici, nous voulons que, quand vous venez, vous soyez à l'aise. La cuisine ici, c'est en tout cas global, fusion. Un nouveau endroit ici à Kinshasa, Gombe. Et vraiment ici, nous sommes en train de faire quelque chose de nouveau. Les créations, quelque chose de risqué. Et voilà, c'est pour cela qu'on a créé un endroit où ce n'est pas juste un espace où vous venez, vous mangez et vous partez. Mais que vous sentez quelque chose dans la cœur. Nous voulons que quand vous venez, vous sentez vraiment Malamo. Extraordinaire, où nous avons à cœur de nous retrouver entre gens de bonne volonté pour parler des sujets importants. Mais ce soir, ce n'était pas seulement de nous réunir, ce dont il s'agissait aussi, c'était d'annoncer eh bien, le lancement, l'annonce officielle du prochain festival de Rumba, Rumba in the Jungle, qui aura lieu aux chutes de Zongo du 3 au 5 décembre 2021. Vous l'aurez compris, le JT diplomatique qui s'intéresse aux acteurs de la vie internationale ne pouvait pas ne pas annoncer cet événement, car vous le savez, la rumba s'apprête à être inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Acteurs de la vie internationale, une fois, toujours, nous sommes là pour pouvoir remettre en perspective les sujets les plus importants, décrypter les enjeux. Et ce soir, nous n'avons pas du tout dérogé à la règle. Nous nous retrouverons très prochainement dans un autre lieu exclusif à Kinshasa pour connecter les acteurs de la vie internationale aux différents écosystèmes congolais.